Il est objectif. Il est un but, d'un sens de responsabilité incroyable. La famille Hagar, la communauté, a perdu un patriarche, un homme qui a marqué son temps. Toute la nation tchadienne vient de perdre un fils parmi les valeureux fils du pays. Nous partageons les mêmes émotions que tous les autres tchadiens. C'est un homme qui a assumé de hautes fonctions, mais aujourd'hui, nous sommes vraiment fauchés, touchés par son décès. Moi, j'ai eu à me communiquer avec lui il y a moins de 48 heures. Donc, il m'a vraiment dit je compte revenir parmi vous bientôt. Aujourd'hui, le sentiment que nous éprouvons, c'est le sentiment d'une profonde tristesse. Et nous pensons que le pays a perdu quand même un homme, un patriote. Aujourd'hui, Dr. Abakar Adom Hagar laisse un grand vide, hein, difficile à combler. Abakar, c'est un monsieur très humble, qui aime travail. C'est plus de 48 ans francs, que nous partageons de tout, de tous les problèmes.